La question n'est pas ici de savoir si Gaudi était empreint de folie, mais d'apprécier à quel point il était assurément passionné d'architecture. À une époque où les architectes utilisent les édifices pour afficher un pouvoir social ou religieux, Gaudi y a traduit l'angoisse de la condition humaine, la volupté de la nature. Mais il est certain que ce que nous retenons de lui est son mysticisme. Réservant les formes pures de l'austérité aux parties cachées de ses bâtiments domestiques, il a offert à la Sagrada Familia l'éclat d'un baroque fantasque. Cherchant sans cesse à transgresser les conventions, il ouvre largement l'espace intime vers l'extérieur et fait rentrer les composantes du dehors à l'intérieur de ses bâtiments. Assurément fou d'architecture.